mesdames et messieurs, nous allons commencer à présenter nos commentateurs que j'ai trouvés, parce que, bon, malheureusement, je n'ai pas retrouvé Nartax et Patagraph. Ils sont à la plage. Enfin, Patagraph, je pense pas, mais il doit être à la plage avec eux. Comme deux amours. C'est plutôt les commentateurs qui t'ont trouvé. Allez, je vous demande d'applaudir Luanil et Leslon. Bonsoir, c'est Nartax. Yes. Ah là là, et vous êtes tous virés. Alors, pour l'instant... C'est bon, vous pouvez commencer à défier. Ah, la connexion a l'air un peu terrible. Je ne sais pas si c'est ma faute ou pas. Yes, un tournoi en diaporama. Et voilà, donc voici mon diaporama de tournoi. On va refaire ce match, parce qu'on n'était pas prêts. Et aussi parce que il y a des personnes qui ont des UNESCO pour régler tout ça. Voilà, donc on demande à tous les participants de dire clairement de dégager. C'est des commentateurs ou des gens random qui font la discute. Je les ai trouvés dans la rue. Moi je suis le gagnant de l'ancien tournoi du coup. Moi je sais même pas ce que je fais là, vous voyez, j'ai même pas de Switch, je connais pas le jeu. Il est très fan de vos ressentis sur tout ce qui vient de se passer. Alors il y avait beaucoup d'émotions, il y avait du stress. Donc ce matin je savais pas pourquoi mais j'étais très très nul et là je sens que ça va mieux. Et donc toi Darkos? Le stress et je me suis juste fait laver en fait, du jeu mec. Little Crack, il est trop fort. Ça fait mal. Oh yes, il l'a chopé dans les airs. Ah là là. L'éjection totale, c'est fini. Voilà. Du coup, nous allons interviewer bien sûr nos une heure de publication est survenue. Oh non. Ah c'est considéré comme 8 heures pour Jérém. Ah c'est carrément magique qu'un rage kit. Un rage kit qui est survenu. Je peux laisser une chance aux deux perdants de revenir. Est-ce que le chat vous accepterait qu'il y a un match entre Darkos et Magic pour défier Marco? Magic il dit oui. Lucario ou Lucario? Je lance le débat. Les fans des Pokémon, est-ce qu'on dit Lucario ou Lucario? Nous allons demander à un spécialiste de savoir ça, le son, de savoir comment on dit Lucario en français. Lucario. Lucario, on dit. Écoutez bien. Lucario. Il y a un long lu. C'est le fist sur Isabelle. Oui, en anglais. Oui, parce que je traduis en exclusivité. Et du coup, Marie, en japonais, c'est comment? Il y avait tes codes à Bravo, Magique, tu as remonté la porte. C'est pas très original comme punchline encore. Je suis vraiment désolé, Darkos. Rebonjour, Darkos. Non, mais y'a pas de soucis, t'as bien joué, mec, c'est tout. Place de Monsieur le Fou, du coup. Monsieur le Fou. Bien joué à vous deux, vous en avez pensé quoi de tout ça? Bah merci. Bah du coup Léandra, tu continues et tu auras peut-être au moins une des trois récompenses si t'arrives top 3 et magique. Yes. Tu retournes au vestiaire, tu nettoies ton peignoir et coucou je panier. Attends, mon panier de chienne. Non, c'est un main que j'arrive bien gérer comparément aux autres vestiaires. Que se passe-t-il? C'est reparti pour une 2.0 Luanim ou quoi? Aïe. On est vraiment sur un magnifique diapo de 3ème. Constant Béranger nous pose la question, ça va vous sinon? Je pense que c'est Niar qui a des problèmes de connexion. Donc nous allons attendre une réponse nette de Niar. on refera revenir Magic. Magic aura une 3ème chance. Magic reste dans le coin s'il te plaît. Non, je vais inviter Darkos en vrai. Alors, je vais déplacer une personne pour nous informer des informations sur le combattant parce qu'il le connaît depuis sa tendre enfance. Envoyé spécial, est-ce que vous pouvez nous informer de quelques informations sur l'autre adversaire? Ah bon, on n'a aucune nouvelle de Nair pour le coup. Je peux envoyer un SMS, mais... Ah, il m'a dit qu'il redémarrait sa boxe. Béranger a plus d'informations que Liandre, alors que Liandre connaît mieux Nair. Ouais, c'est ok, quoi. Enfin, ça commence. Alors... Coup dur. Oui.
Alors autant le match avec Magic et Lidran il était incroyable, mais alors celui-là, voilà, vous pouvez apprécier les qualités du Nintendo Switch Online. Ah, oui. Bowser qui veut faire féconder Palouté. Alors, nous allons laisser quand même la parole à Gar de savoir s'il est encore chaud pour s'il a des problèmes de connexion ou s'il veut retenter encore sa chance. Bonsoir. Oui, je pensais que ça passait, mais la connexion des champs, non, ça passe pas. Aïe aïe aïe. Ah là là. Mais en tout cas, vous avez fait un kill chacun, ce qui était énorme quand même. C'était plutôt beau. L'un des meilleurs matchs de cette décennie. Alors, c'était quoi vos impressions sur le match? En tout cas, nous dirons une seule chose à Niar. La prochaine fois, achète un adaptateur LAN, ça coûte 30 euros chez Amazon. En plus. Et je le branche où? Je le branche dans la terre là, y a rien. On peut encore applaudir Niar d'avoir quand même participé et d'avoir fait un kill à Béranger quand même. Yes. Voilà, Rip Niar, on pense à toi. Ça va, tu diras bonjour à la maison retraite pour nous. Le chat est très sympa, mais aussi un peu troll pour Niar. On sent qu'il y a le match. Que pensez-vous du logo qu'il a fait? Désolé encore à Kyle pour l'attente de la réponse, mais j'ai dû organiser par rapport à ce qui s'est passé. Punaise, c'est vrai qu'il existe le Wi-Fi Trainer. D'accord, merci le hors-contexte. N'empêche, il me déçoit un peu cette heure-là, je suis un peu déçu là. Du coup, c'est le premier point pour Juju. Ah là 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 là. Prends Marie. Allez, c'est pas fair. Nous avons Shadow contre Marie. Non mais sérieux, sur Smash, Sonic on dirait un enfant hyperactif, c'est incroyable. Super Sonic. Mais à tout moment, Sator peut revenir sur le terrain. Ouais. Ce serait très beau. Ce serait très beau, mais là pour l'instant Sator a du mal. Bon, mais là... Magic il pose. Ah, c'est, ouais, fini. C'est fini. Ça prend. C'est Juju qui a gagné. Et au moins qu'on a Lama contre l'homme aux cheveux blancs. Et il fait pas mal de compteurs pour l'instant, Little Mac. Oula. Et c'est la. C'est pas 20 secondes. Le mec. Oh là là. J'ai rien vu. Lama. Oh mais Lama. Mais qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi avec Sonic, ils font jouer et ça va. Mais non, mais qu'est-ce qu'il arrive? Bravo la mouche blanche, je te félicite. Attends, un bon cancer. Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais. Je vais parler avec la meuf pour quelques secondes. Attends, t'es sérieux? Arrête de changer de manette, tu te meurs. Alors, est-ce qu'on te relaisse une chance pour la première manche? Bah quand même. Si tu veux un chèque de 10€, on peut recommencer le match. C'est bon, j'ai changé de manette là, elle t'a fait pas le coup. Par contre, là-bas, si tu te plains encore sur ta manette, je m'en fiche. Finaliste, ouais. Oh le coup. Oh, ça c'était super beau. Alors, on va move alors le perdant. Salut. Ouais, c'est la manette, non je gagne. C'était vraiment magique. La vérité, c'est qu'il m'a gagné. Bon sang, je suis... sur le Discord et aussi sur... Ah. Une erreur de connexion est survenue. Ah, qui a causé ce problème? Ah d'accord, je ne peux plus voir le match. Tu vois le match toi ou pas? Non. Ah, comment on va faire? Vous allez bien, j'espère. Racontez-moi un peu votre vie. Et malheureusement, les secondes, pas encore... Le perfect shield. Ah mais moi j'ai beaucoup d'idées en vrai, hein. Quand il y a un tournoi, on est très simple. Oh, contre. La première fois où Leandra a fait la merde avec Wolf, il a fait, ok, on va montrer ce qu'on sait faire. Je vais dire quand même un truc à Infinite. Infinite, rejoins un salon Discord, je vais te move pour faire le commentateur en supplémentaire, parce que notre fil rouge de l'émission a du mal à regarder le match, et du coup j'en aurais besoin d'un remplaçant, comme on dit. Allô? Allô Infinite? Allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Yes, monsieur l'ordinateur. Tu as un problème avec ton micro. Oui. Voilà, c'est bon. Alors, c'était la galère, hein. Nous allons parler un peu avec Infinite, parce que je pense qu'il a regardé les quelques matchs qu'il y a eu avant qu'il rejoint pour jouer avec... Ah d'accord. Enfin, ça serait bien. J'ai entendu la voix d'un robot de Luadim, enfin de Infinite, je sais pas si... Ah. Il semblerait que ça ait crash.
Allez, coup dur, XX Dark Sonic XX. Ah bah c'est c'est GG qui est parti. GG est parti. La musique de l'ennui par contre, je change la musique. Excuse-moi, mais... Bip là. Eh, écoute, c'est mon mail. Alors qu'on a du Persona, quoi. Voilà, ça c'est la musique. Ouais, bon, Persona... Non, je connais que celle-là, malheureusement. J'ai pas encore écouté la playlist Persona. Même personnellement. Ouais, c'est rigolo, ça. Ouais. Persona, personnellement. C'est long. Tu lui as dit pour qui ou pas? Écoute, normalement... Non. Personne ne connaît, personne n'en veut, voilà. Mais... Oh. Mais... Personne ne voulait avant de jouer Kazooie, voyons. Si. Je fais des gros dégâts. Et ton personnage de mes couilles, il aimait tout le monde. J'avoue qu'il est sorti nulle part aussi. Hein. Et la Borg Piranha, hein. Non, personne ne voulait vraiment ça. Si, ça courait. Après, n'empêche, il fait mal, hein. Ouais, bon, Bowser c'est... ultra mal. Il joue safe. Allez, le spectacle. Ouais, son geste de la main du genre... Bip. Oh non, il a... Ah là là. Tu sais, on s'en fiche si GG il remonte ou pas, il veut jouer, on veut juste que Béranger fasse un... Oh. Non. Par contre, ce temps, je vais pas dire ce que t'as mis dans le chat. Ah putain, voilà, c'est bon, le live est revenu, excusez-moi, il y a une petite coupure qu'il y a eu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est revenu. Alors attendez, je vais recréer l'arène, donc je vais le dire à l'oral, avec un code promo, voilà. Code créateur Ogo, ça. Exactement, oh. Qui est au fond d'une place, parce que la dernière fois il était 4ème place, et décide de pouffer Mario, qui n'était pas dans tous le tournoi, donc on peut le dégager s'il vous plaît. Bravo à toi GG quand même, pour avoir réussi à être en finaliste quand même. On l'applaudit tous encore. Tu n'as gagné rien du tout, mais t'as gagné tes applaudissements. Je suis content, j'ai gagné un truc. Oui, des applaudissements. Des applaudissements. Et Béranger, ouais. Tu gagnes une clé Steam à 8,50€ chez le marchand journaux. Oh là là, quelle chance. Voilà, je vais pouvoir acheter. Et plein tu de gagnes bons le jeux. Magazine WeeBuzz. Chaos qui est déclenché pour Little Mac. Oui, et c'est le chaos. C'était bien joué ça. Après pour le LOL je joue contre un des deux là. Mais enfin le gagnant du... Oui voilà, pour le LOL, le gagnant des deux, voilà. Little Mac va m'éclater si c'est lui. Oui. Ça commence... Ouh. Les dégâts. Oh là là. Oh, l'éjection. Hey, il est solide l'Inferno. Ah bon bah... Ouais. Ah, bah. Il s'est pris la balle de chat. On n'a pas vu de gameplay de Pikachu mais ça va être très intéressant et très risqué quand même pour Wolf. Qui va apprendre un peu ses attaques. Oh, le perfect shield déjà. Ah non. Oh là là, les bons. Le mauvais geste. Bien joué, les amis. Oh là là. Voilà, encore bravo, cher finaliste de la finale. Et bien, merci. Bien joué. Voilà, merci. Oh putain. Oh, l'esquive. Belle esquive. Comme ça. Ah, il a bien joué. Est-ce que Jérém va se venger du tournoi, le premier tournoi? Jérém va rapporter la coupe à la maison et que Infinite ne pourra plus le garder chez lui. Alors que c'est un très beau trophée en plastoc. En PNG. Et voilà, Jérém Blanc récupère le trophée de OG. Allez, Infinite, retire-le de tes mains. Non, ça se voit que je joue qu'un perso. Quoi. Je pense que c'est ça. Et du coup, je vous dis au chat et à tout le monde de Twitch une bonne journée et merci d'avoir participé au tournoi et d'avoir réagi au tournoi. Allez, salut !